Et bien c'est tout mon Zarking pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De mon premier épisode de l'admin series. Donc voilà, donc mon premier épisode de l'admin series sur le serveur Exo, donc Exo. Donc il y a pas beaucoup de monde parce que l'ouverture s'est faite il y a pas beaucoup de temps. Mais des fois on pendant le week-end on peut tourner jusqu'à 35 codes, donc c'est pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier épisode d'admin series. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis voilà, donc moi je vous dis bonne vidéo. TP Romwen. Donc il est. Ok d'accord, lui il a un cheat. Là on va TP Romwen. Donc slash TP Romwen Darking. Hop. Ok d'accord. Alors lui il fly comme ça au... Attends, j'essaie de le. Non, Straf a été gelé par Darking. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, Romwen. Non, il a ban avant moi. Je voulais le vérif. Punaise. Bon, pas grave. Ok les gars, donc je vous reprends. Donc Runins. What? C'est Superman. Ok Runins. Ok, d'accord, pas de soucis. Slash Tamban Runins 14D shit. Hop, salut. Bon, il y a un mec qui a dit qu'il reach. Irisium. Donc peut-être que c'est pas vrai, hein, si j'ai reçu comme quoi il y a deux secondes j'étais sur le toit des trucs qui m'étaient. Ton sky en slash MSG, tu as 30 secondes. Oh par contre les gens qui font ça. On va faire tout le truc simple. Hop. Allô. Oui. Est-ce que tu cheats? Non bah si tu veux, je suis avec la bimode là, donc je vois pas comment je pourrais cheat. D'accord. Parce que j'ai reçu une plainte contre toi, donc je juste vérifie, ok? Ok, vas-y. Par contre, attends, je vais te défreeze. Hop. Et tu peux venir au slash up s'il te plaît pour pas embêter le chat. Ok. Hop. Ok, slash Z track. Mince. Alors, du coup, fais-moi une partage d'écran. S'il te plaît. Au pire, va sur Roaming. Parce que. Ok. Va sur pour Minecraft. Mets en grand, s'il te plaît. Ok pas, pour Minecraft. Attends, on laisse comme ça. Alors déjà, t'as quoi? T'as Corse client, ok. Usini, métro. Ils ont pas été. Regarde, tu vois, mais regarde les dates. Tu vois, ils ont été ouverts il y a 2 mois. 3 mois même. Mais pour l'instant, ça je m'en fous. Ok, vas-y dans la version. De toute façon, tu vas avoir tous mes trucs là, tu vois. Putain, t'es sérieux? Mais gars, je les utilise pas. Mais mon gars, t'as vu tous les kits que t'as? Je sais, c'est pour ça que j'aime pas trop me faire verrer. Oh. Mais regarde, j'utilise que la bimode. Putain, mec, t'es sérieux? Ouais, mais c'est pas comme si j'utilisais sur ton serveur. Ouais, mais c'est comme... Ouais, mais t'as quand même un cheat sur ton PC, quoi. Pas ah non, roaming, excuse, va dans roaming. Dans Java. Bonjour. Ok,
Okay, va dans Java, dans WebView, Local Storage. Ok. Vas-y, retourne en arrière. Va en bas. Va dans test 3 clients. C'est où? Va en bas. Faut le trouver. Ah si, je l'avais vu. Test 3. Attends, ne bouge pas. Il est juste en dessous de ton curseur. Ouais. Va dans cache. Ok, va dans remote. D'accord, retourne en arrière. Va dans Skype, s'il te plaît. En haut. En bas. Enfin, va en bas. Va descendre. Descends avec tout. Voilà, Skype. Tu vas dans My Skype Receive File. Ok, donc on va voir ça. Attends, va tout en haut et descends un petit peu. Attends, va tout en haut. Et descends un petit peu. C'est quoi run? Non, attends. Du coup. Ok, va en bas un petit. Va en bas. Descends. Descends. Ok, d'accord. Maintenant va sur ton navigateur Mozilla, s'il te plaît. Utilise pas Mozilla, j'utilise Google Chrome. Bah utilise ton navigateur principal. Va dans tes historiques. Marque métro. Ok. Va mais vape VAPE. Oula. D'accord. Vape client. Ah non, d'accord, j'ai d'accord. Comment télécharger vape.fr. T'avais quoi d'autre? Usini. Ouais, d'accord, c'est des vidéos YouTube, d'accord. Bon, je vais quand même te banne hein, pour être sûr. Ok, donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est pour le premier épisode de l'admin series. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai ban le mec 7 jours. Tout simplement parce que il avait énormément de cheat dans sa version. Dans son version. Il avait peut-être pas ouvert beaucoup de. Il avait peut-être pas ouvert cette cheat. Il avait peut-être pas ouvert cette cheat récemment. Mais il y avait un cheat que j'ai vu. Enfin, quand je regarde le replay. Quand je regarde la vidéo que j'ai vu. Qu'il avait ouvert il n'y a pas très longtemps. Et durant la vérif, vous pouvez voir que j'ai même pas été sur Minecraft parce qu'il avait crash. Donc du coup, bah, ça fait comme si c'était une refus de vérif. Mais j'ai pas pu voir ce qu'il avait sur son Minecraft en fait, en réalité. Donc tu vois là pourquoi j'ai ban 7 jours au lieu de 14. Donc j'ai ban que 7 jours tout simplement parce qu'il m'avait avoué qu'il avait énormément de cheat dans sa version et tout ça. Et je l'ai ban aussi que 7 jours parce que je ne peux pas être sûr qu'il cheatait. Mais bon, son Minecraft a crash et bon, bah, je peux rien faire pour ça. Hein. Je ne peux pas savoir s'il a cheaté ou pas, mais je pense qu'il cheatait. Aïe. Par contre, oh là, on va éviter d'aller... Hop, voilà. On va éviter de se faire taper dessus. Puis on va se mettre en... Allez, voilà. Hop, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, de vous abonner et de la partager. Allez, salut tout le monde.